Bonsoir, aujourd'hui à Nantes, le temps fut bien gris avec de la pluie et de la douceur. Il a fait 13 degrés. Attention au vent la nuit prochaine avec des rafales qui pourraient approcher les 90 km/h. En effet, le vent va se renforcer sur une grande partie du pays, en particulier sur les départements méditerranéens. Attention également aux fortes vagues sur les côtes de la Manche et Atlantique, et notamment lors de la pleine mer sur les côtes bretonnes. Alors c'est cette profonde dépression circulant entre le sud de l'Angleterre et le centre de l'Allemagne qui provoquera des vents forts et de l'instabilité avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation par l'ouest. Alors quant aux températures, elles resteront très douces avec un excédent de 5 à 6 degrés au-dessus des moyennes de saison. Il fera en matinée 14 à Montpellier, 12 à Biarritz, 10 à Paris et 7 degrés à Brest. En matinée, le temps sera donc agité avec de fréquentes averses sur la quasi-totalité du pays. La neige fera son retour des Vosges aux Alpes alors que le temps redeviendra rapidement sec de la Bretagne à l'Aquitaine dans une ambiance encore nuageuse des Pyrénées à la Méditerranée ainsi qu'au sein de la vallée du Rhône. Par effet de fun, le temps sera ensoleillé. Enfin, le vent soufflera sur tout le pays avec des rafales qui atteindront les 100 km/h le long des côtes de la Manche et de l'Atlantique. L'après-midi, les averses résisteront des Hauts-de-France jusqu'aux Alpes du Nord avec toujours beaucoup de vent. On attend jusqu'à 110 km/h en Méditerranée. Enfin, sur les régions de l'Ouest, le vent se calme, mais un nouveau front océanique provoquera des pluies. Les températures seront en très nette baisse demain après-midi. Il fera 8 à Paris et 20 à Perpignan. La suite, on conservera encore un vent soutenu samedi avec un front qui ondulera entre la Bretagne, l'Aquitaine et la région Rhône-Alpes avec de fortes chutes de neige sur les Alpes. C'est près des frontières du Nord que le temps sera plus lumineux avec un mercure qui sera en baisse. Dimanche, les nuages seront très nombreux avec des averses ou de la bruine. Un nouveau front donnera des pluies avec un vent de sud assez fort et des températures en hausse. Les conditions météo vont de nouveau se dégrader lundi avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation pluvieuse et orageuse et un vent de sud qui va se renforcer, notamment le long des côtes de la Manche. Ensuite, nous serons sous un ciel de traîne avec beaucoup de vent. Et puis, une amélioration va se mettre en place avec davantage de soleil et une douceur qui va s'accentuer. Et vous pouvez accéder par heure à la météo de votre ville sur m6météo.fr. Ce soir, ne manquez pas Pékin Express. Très belle soirée à tous sur M6.